après avoir prononcé la salutation finale, le teslim, de la prière obligatoire, il est recommandé aux musulmans de dire « Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. » Je demande pardon à Allah. Je demande pardon à Allah. Je demande pardon à Allah. Ô Seigneur, tu es la paix, et la paix vient de toi. Béni sois-tu, ô digne de glorification et de munificence. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Ô Seigneur, nul ne peut retenir ce que tu as donné, et nul ne peut donner ce que tu as retenu. Le fortuné ne trouve dans sa fortune aucune protection efficace contre toi. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Gloire à Allah, et la louange est à Allah, et Allah est le plus grand. On répète cela 33 fois. Dire ensuite La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Celui qui dit ceci après chaque prière se verra pardonner tous ses péchés, même s'ils atteignent le volume de l'écume de la mer. Rapporté par un musulman. Récitez ensuite Sourate al-Ikhlas, Sourate al-Falaq, Sourate al-Nas. On récite ces trois sourates, appelées les sourates protectrices, trois fois après la prière du Fajr et la prière du Maghrib, et une seule fois après la prière du Dhuhr, du Asr et du Isha. Il est aussi recommandé de réciter une fois le verset du piédestal, Ayatul Kursi, après toutes les prières obligatoires. Celui qui lit ce verset après chaque prière, rien ne l'empêche de rentrer au paradis, sauf la mort, rapporté par An-Nasa'i.